The night scenes of Leua. The lantern light of centuries. Only I know that this rising star has come far in the millennium past. Only I remember the hours at which dew forms on the glazed lilies and disappears again. 106,327 heartbeats. The time that has passed since I last knew rest. Packing up the stalls, closing up the pavilions, one can almost hear the streetlights going out. It is as it is night after night, ever so distant from me. The night of Leua, over. Now that you know the secrets of the night, would you accompany me to work overtime? Et yo tout le monde, j'espère que vous allez bien, très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Genshin Impact. Et aujourd'hui il est l'heure d'aller analyser Ganyu, donc que ça soit ses compétences, ses constellations, comment la build, si elle vous sert ou non dans votre team, si elle vous correspond. Je vais essayer de vous donner un maximum d'infos là-dessus pour que vous puissiez faire votre choix dans les meilleures conditions. À ce sujet, on fera un live invocation à 19h30, elle devrait arriver mardi ou mercredi, je pense mardi, donc ça sera à 19h30 sur Twitch. Tous les liens sont dans la description et comme d'hab, n'hésitez pas à lâcher votre petit pouce bleu et l'abonnement pour qu'on puisse poursuivre et grandir sur cette grande plateforme qu'est YouTube. C'est parti pour la review. Donc, Ganyu, archer 5 étoiles cryo sur le jeu qui va venir apporter un nouveau souffle aux archers. Pourquoi? Parce qu'elle va avoir tout simplement de multiples flèches sur sortir chargées. En plus de ça, elle va avoir un ultimate qui va infliger des dégâts de zone et qui va appliquer l'état cryo. Mais tout ça a une faiblesse et je vais vous expliquer tout ça dans cette vidéo. On va commencer par tout ce qui est les attributs. Donc déjà, ce qui est très important sur un perso, ça va être les attributs de base. Pourquoi? Parce que l'attaque de base ou les HP ou la défense vont déterminer donc le perso pourquoi il est fait. En plus de ça, on va voir que si c'est un perso qui est plutôt voué à faire des dégâts, à protéger, etc. Dans le cas d'un archer comme Ganyu, c'est clair qu'elle est là pour faire des dommages. Et comme on le voit ici avec l'attaque de base qui est extrêmement puissante. 335 d'attaque de base, ça va être quand même un des plus gros scales d'attaque sur le jeu. Donc elle a plus que Tartalia et je crois qu'elle est semblable à Diluc. Diluc il doit avoir 330-335. Donc excellent au niveau de l'attaque de base. Par contre c'est un perso qui va être très fragile. Pourquoi je vous dis ça? Parce qu'elle va avoir 9797 de PV. Et si on compare avec un autre archer qui est Tartalia, pourquoi je fais la comparaison avec lui? Parce que ça va être l'archer qui est sorti il y a le moins longtemps sur le jeu. Donc un nouveau personnage qui va être clairement orienté à DPS, qui a déjà fait ses preuves sur le jeu. On a vu que Tartalia était une très bonne unité, donc je trouve ça très intéressant de comparer ces deux personnages là. On va avoir 3000 HP de moins que Tartalia. Donc Tartalia est quand même plus mêlée, sachant que sa compétence permet de passer au dague. Donc c'est normal qu'il y ait un peu plus d'HP, mais les 3000 d'HP sont quand même énormes. Je crois que comparé à tous les 5 étoiles dans le jeu, c'est celle avec le moins de PV. Même Chichi a plus. Et en plus de ça, on va avoir une compétence qui scale en fonction des PV. Donc je trouve ça assez dommage d'avoir des PV aussi faibles. Mais c'est normal qu'un archer soit quand même fragile. Au niveau de la défense, ça va être pareil. On va avoir une défense qui est extrêmement faible, 630 de défense. On a des persos 5 étoiles normalement qui ont minimum 100 plus. Mais par contre, on va avoir des crit damage qui vont scale beaucoup. Donc là, on va avoir du 88,4% lorsque vous passez toutes les ascensions. Et ce qui est 30%, enfin 38,4% supérieur aux autres personnages. Donc ça va être à l'instar de Kuching, un peu pareil. C'est que vous allez avoir déjà de base sur le perso 38,4% de boost de dégâts critiques. Ce qui est fort appréciable, sachant qu'en plus les arcs sont truffés de coups critiques. On a pas mal d'autocritiques sur les arcs ou de dégâts critiques. Et ça va être juste un plaisir à build. Au niveau du taux de crit, on va rester de base sur du 5%. Et on va commencer du coup à énoncer tout ce qui est les compétences. Comme vous le voyez, pour passer rapidement sur les matériaux d'ascension, on va avoir la fleur de Kingsin. Vous me le direz hein, si je le prononce mal. On va avoir aussi, bien sûr, pour les persos cryo, les petits éclats d'améthyste bleu. On va avoir également tout ce qui est nectar élémentaire qui se drop sur les fleurs mensongères. Donc, passons au premier skill. Alors là, je vous rappelle que ça va être de la Google Trad. À la base, les skills, je les ai lus en anglais. Donc, je vais vous expliquer tout ça. Je vous laisse quand même à l'écran si vous voulez mettre une petite pause, regardez pendant que je parle et ne vous inquiétez pas. Donc s'il y a des petites phrases qui paraissent bizarres, c'est tout à fait normal. Ce qu'on peut relever sur le perso, déjà on va regarder les dégâts. Donc pour ce qui est des dégâts, on va avoir des dégâts, si on compare à Tartalia, 10% plus faible sur ses attaques de base, donc les tirs non chargés. On peut en
enchaîner jusqu'à 6 coups consécutifs qui vont infliger pas moins de 31, 35, 45, 45, 48 et 57% de dégâts. C'est assez faible de base, comme je vous l'ai dit. Et ce qui va être très intéressant sur le perso, ça va être surtout son tir chargé. Donc le tir chargé qui va être juste ici de niveau 1 qui va infliger 124% de dégâts. Là, on a exactement les mêmes valeurs de Tartaglia. Et là, on va venir expliquer du coup qu'est-ce qui est particulier dans le tir chargé de Ganyu. Donc, on va avoir deux types de tir chargé. Donc, un premier qui va dépendre du temps de recharge. Donc, le premier va tout simplement infliger des dégâts cryo et un peu plus de dégâts. Donc, comme tous les tirs chargés. Mais en plus de ça, on va en avoir un deuxième. Donc, lorsqu'on maintient un peu plus longtemps l'arc, niveau de charge 2 déclenche une flèche de flocons de givre qui inflige des dégâts cryo. La flèche Force Flake fleurit après avoir atteint sa cible infligeant des dégâts AOE. Donc, je vous mettrai juste en haut là le détail de la compétence, comment elle apparaît dans le jeu. Donc, c'est très simple. Dès que vous allez faire ce tir chargé, il y a tout simplement des dégâts cryo AOE qui vont tomber à l'instar de 3 flèches sur le terrain dès que vous allez toucher la cible. Et ça, c'est plutôt énervé sur le perso. C'est une première sur le jeu. Et moi qui n'aime pas le gameplay tir chargé de base, parce que je trouve c'est beaucoup de choses pour peu de résultats, parce que quand même avoir un tir chargé sur le perso, ça demande pas mal de temps, pas mal aussi de précision, faut pas se rater. Et derrière, surtout si vous êtes à la manette d'ailleurs, et derrière pas forcément des dégâts qui sont à la hauteur. Là c'est bien parce qu'on va avoir des premiers dégâts qui vont s'appliquer et puis derrière des dégâts de zone qui vont en plus de ça infliger l'effet cryo. Et ça c'est excellent. Pourquoi? Ça veut dire que si les persos sont mouillés, par exemple avec le combo avec Mona, donc qui va venir apposer un leurre, bah ils vont être gelés en zone. Et ça c'est excellent. Donc ces Frost Flakes donc qui vont tomber sur le terrain vont avoir 128% de dégâts au niveau 1, ce qui est quand même assez énervé. Donc si on vise un perso, il va recevoir du 124 plus du 128%, bien sûr là c'est niveau 1. Si on va prendre le niveau 8 qui est un peu plus approprié, on va avoir du 198 et du 204%. Donc 400% de dommages sur un tir chargé, c'est quand même très bon, c'est excellent pour le coup. Et à ce niveau là, donc le perso, ça va être son petit, sa petite particularité, il va pouvoir tout simplement geler en zone avec son tir chargé, et ça c'est plutôt excellent. Donc après on a les dégâts de plongée, mais c'est pas le truc le plus intéressant, hein. On va avoir par exemple au niveau 8 du 97% de dommages. Pourquoi pas, on va passer au second skill. Le second skill qui va être à l'instar de Humber, un taunt en fait qui va provoquer les ennemis. C'est une fleur de lotus cryo. Donc premièrement on va la poser sur le terrain, elle va infliger des dégâts cryo donc autour d'elle. On va récupérer ainsi des particules élémentaires, donc ça c'est assez cool. Et en plus de ça, elle va attirer donc les, par exemple, Brutocoenus environnants, comme vous allez voir juste au-dessus, et vont venir la taper. Donc ça permet tout simplement de disengage de combat, et c'est assez cool. Par exemple, on sait que le Floor 11, qui est actuellement sur le jeu, donc pour les abysses, il va être quand même assez relou à gérer, dans le sens où c'est assez compliqué de détourner l'attention, et c'est clairement un étage qui est fait pour elle. On va avoir également les PV du Lotus qui vont être déterminés en fonction des HP max de Ganyu. C'est pour ça que je vous disais que ces HP, c'est dommage qu'ils soient assez bas, parce que du coup la fleur de Lotus va avoir des HP assez bas également. Je trouve que c'est pas un bon investissement d'augmenter les HP clairement sur le perso pour en avoir plus sur celle-ci. En plus de ça, elle va exploser au bout de 6 secondes et infliger des dégâts cryo. Donc ce skill-là, il est assez cool. Ça va être un skill qui va pas non plus pour moi être révolutionnaire. Il va venir apporter un peu de temporisation, un peu de recharge d'énergie avec les particules élémentaires, ainsi que surtout l'élément cryo qui va pouvoir proc les réactions élémentaires. Voilà, assez cool. La durée du skill, c'est de 6 secondes. Il a un CD qui est de 10 secondes, donc une durée tout simplement de rechargement de 10 secondes. On peut le lancer assez régulièrement. On va avoir 4 secondes, on va pas pouvoir le faire. Et je trouve que au niveau du support, Ganyu ne va pas être incroyable. Et je vais vous expliquer pourquoi après avoir détaillé tous les skills. On va avoir du 211% de dégâts au niveau 9 de la compétence, pardon, niveau 8 de la compétence, et ce qui est assez cool, censé être incroyable, hein, c'est des dégâts normaux. Donc voilà, un skill passe-partout qui est cool, qui fait de la recharge d'énergie, qui proc tout simplement tout ce qui est réaction élémentaire, qui permet également de disengager le combat et d'attirer les ennemis, mais pour moi qui n'est pas quelque chose de signature sur le perso, on va plutôt être sur l'ultimate pour ça.
Donc on passe sur l'ultimate, douche céleste, je sais pas si c'est vraiment la traduction littérale, mais c'est assez marrant. Fusionne le gel et la neige atmosphérique pour invoquer une cryopearl sacrée qui exorcise le mal. En gros, ce que ça va faire, c'est qu'on va avoir une zone qui va se former et on va tout simplement faire tomber des stalactites de glace sur cette zone-là. Alors ce skill, il est très bon et en même temps il est très mauvais, je vais vous expliquer pourquoi, mais... En tout cas, ce qui est cool, c'est que en plus de ça, lorsqu'on va faire l'élévation de Ganyu, quand on va passer derrière au passif, vous allez voir qu'on gagne un boost de dégâts cryo égaux à 20%, ce qui est assez cool. Donc pendant la durée de sa capacité, la perle de cryo sacrée pleuvra continuellement des éclats de glace, frappant les adversaires dans une zone, déterminée par l'ultimate. Ganyu peut naturellement faire tomber des pluies douces, mais contre les démons et les hérétiques, ils deviennent de la neige amère et glaciale. Ça c'était pour le petit lore. Donc pour ce qui est des éclats glace, en fait, moi ce que je trouve assez dommage sur le skill, c'est que ça va être très aléatoire. Alors il y a un bon tempo, elle tombe assez vite, ces stalactites, mais... comme vous le voyez sur le terrain, en fait, ça va être vraiment assez dispatché. Et à moins que l'ennemi soit gros, ça va quand même être pas fou pour infliger des dégâts. C'est très bien pour les réactions élémentaires, c'est très bien pour geler les ennemis. Mais au niveau des dégâts, je pense qu'il y a clairement mieux. En plus de ça, on va avoir un temps de recharge qui va être de 15 secondes, donc qui est assez court. Et un coût en énergie qui est de 60. Donc par exemple, Zhongli et Albedo, c'est 40 de mémoire. Elle va avoir 60, ce qui est très correct pour le coup. Et on va avoir 20 secondes de temps de recharge, donc on peut le relancer assez régulièrement. Pour moi, justement, Ganyu va être un support DPS qui ne va pas être incroyable. Je pense que c'est surtout un DPS principal. Pourquoi? Parce que premièrement, tout ce qui est tir chargé, ça va être assez compliqué de les placer si vous jouez beaucoup votre personnage principal, votre main DPS. Donc pour moi... Un support dégâts ultime, ça va être Albedo. Pourquoi? Parce que Albedo, en fait, juste en mettant sa fleur sur le terrain et en changeant avec votre DPS principal, il va pouvoir infliger continuellement ses dégâts pendant 30 secondes. Vous avez juste à le rechanger, faire son ultimate, remettre sa fleur et puis ainsi de suite. Le temps que vous perdez à charger votre arc, ça va être un temps où votre DPS principal ne va pas faire des dégâts. Sachant que c'est votre DPS principal, le personnage où normalement vous mettez le plus d'investissement dessus, vous allez perdre des dégâts par seconde, ce qui est quand même assez dommage. En plus de ça, au niveau du skill que je vous ai montré juste avant, il va être assez cool, mais ça va pas être clairement le truc qui va infliger pas mal de dégâts. Donc moi je pense que clairement le rôle de Ganyu va être DPS principal ou support utilitaire. Au niveau des dégâts, vous voyez que l'ulti est quand même assez large, il est assez cool, mais pour autant, il va falloir rester dans la zone pour profiter du bonus de dégâts cryo, sachant que Ganyu est une archère, c'est assez dommage d'avoir une zone restreinte et de ne pas pouvoir reculer plus de ça. En plus, on va avoir de la même manière des stalactites qui vont tomber de façon aléatoire, donc pour viser un seul perso, ça va être assez compliqué, mais le perso reste excellent. Pourtant, je pense que pour un DPS support, personnellement, j'en attends beaucoup plus du personnage. Au niveau des matériaux d'ascension, on va être du coup sur le nectar élémentaire, la même que d'habitude. On va être aussi sur le même matériau pour Xiao que pour Ganyu. En fait, ils vont utiliser exactement la même chose. Donc, c'est ce qu'on drop sur Tartalia. Et on va avoir bien sûr la couronne comme d'hab. À la fin, donc au niveau de tout ce qui est les passifs, donc ça va être les passifs qui vont s'activer en fonction de votre niveau d'élévation de personnage. Donc niveau 70, vous allez tout débloquer. Donc le premier, ça va être remboursement de 15% des minerais lorsqu'on va forger un arc. Le deuxième, ça va être après avoir tiré une flèche Frostflake, donc qui va être tout simplement le tir chargé qui va libérer donc ces flèches multiples. Le taux de critique des flèches est augmenté de 20% pendant 5 secondes. Et ça va être vraiment super cool parce qu'on va bénéficier d'énormément de taux de critique sur le perso avec ça. Et donc le dernier passif que je vous évoquais tout à l'heure, Pluie Céleste accorde 20% de bonus de dégâts cryo aux membres actifs du groupe dans la zone. Donc il faut rester dans la zone pour que ça soit valide, mais... on va avoir quand même un archer qui va devoir se déplacer dans une zone restreinte, ce qui n'est pas ouf pour moi. Au niveau des constellations maintenant, ce qui vont être les doublons sur le personnage, ce n'est clairement pas ce qu'il y a focus, mais elles sont très intéressantes. Donc la première qui va permettre de récupérer de l'énergie, ainsi que de baisser la résistance cryo des adversaires
en décochant une flèche chargée. Donc il faut savoir que lorsqu'on décoche cette flèche chargée, l'adversaire va perdre 15% de résistance cryo et que la flèche touche ou non, on va récupérer donc 2 points d'énergie et ça c'est assez cool. On va avoir ici une première constellation qui est assez intéressante, pourquoi? Parce que d'habitude la première consté sur certains persos va quête de la recharge d'énergie. Donc si je prends Albedo qui est sorti il n'y a pas longtemps, sa première constellation pour moi n'est pas utile. Il a assez de recharge comme ça et elle va venir lui apporter juste ça. Là on va voir régénération d'énergie plus baisse de résistance pour l'adversaire et ça c'est plutôt cool. A savoir que lorsque la résistance des adversaires est à 0%, donc en dessous, elle va être divisée par 2. Donc si l'adversaire a déjà aucune résistance cryo, au lieu que ça soit 15% de réduction, ça va être 7,5%. Au niveau du deuxième skill, on va avoir tout simplement une charge supplémentaire sur la fleur qui taunte les adversaires. Donc le troisième, ça va être le classique qui va permettre d'augmenter 2-3 points le skill de l'ultimate, donc d'infliger beaucoup plus de dégâts. Le quatrième va être très intéressant, donc les opposants se tenant dans la AOE de la douche céleste pendant prennent plus de dommages. Donc tous les persos qui vont être dans la zone de l'ultimate, ils vont prendre énormément de dommages au plus à hauteur de 25% maximum. Donc l'augmentation des dégâts pris commence à 5% et augmente de 5% toutes les 3 secondes jusqu'à un maximum de 25%. En plus de ça, lorsque l'adversaire sort de cette zone, l'effet va rester actif pendant 3 secondes, ce qui laisse clairement le temps de le finir. Donc ça, c'est clairement très fort, ça va augmenter les dégâts infligés dans la zone. Et ça, pour le coup, ça en fait un excellent support si vous arrivez à la mettre Constellation 4. Mais c'est vraiment... 4 doublons à voir en plus sur le perso principal, c'est quelque chose quand même qui est assez fou. Donc on va avoir en plus de ça le classique sur la cinquième constellation, donc l'augmentation de du skill de base en fait de la fleur de 3 points. Donc on a eu une charge en plus pour la deuxième constellation, là on va avoir 3 niveaux en plus et on va avoir en dernière constellation, donc la plus puissante sur tous les personnages, clairement ça va être l'ultime constellation, en utilisant la piste de Quillen, fait que le prochain tir de flèche de Frostfleck dans les 30 secondes ne nécessite pas de charge. Donc ça c'est plutôt énervé. Ça veut dire que lorsque vous allez tout simplement infliger la compétence de base de Ganyu, vous allez pouvoir supprimer complètement le temps de recharge et décocher directement votre flèche qui va venir libérer 3 flèches en l'air et retomber sur le terrain. Donc ça, c'est extrêmement fort. Passons maintenant à l'arme. Donc ça va être un arc. Il faut savoir qu'il y a énormément d'arcs qui vont sur Ganyu. Il y a une plage vraiment phénoménale d'arcs. Là, je vous en ai présenté quelques-uns, mais faut savoir que tant qu'il y a du pourcent de critique dessus, c'est quand même pas mal du tout. Le pourcent taux de crit aussi, mais il faut faire très attention. Pourquoi? Parce que Ganyu a déjà du critique sur son passif et en plus de ça, on va avoir des artefacts que je vais vous présenter juste après sur les builds qui vont permettre d'avoir énormément de dots critiques. Donc on va être assez rapidement capé. Faites très attention avec le taux de crit. Donc là, un item de base, 3 étoiles que tout le monde a, qu'on peut du coup raffiner au max, ce qui est assez cool. Donc on va avoir du pourcentage de dégâts critiques qui va monter jusqu'à 31,2%. Et en plus de ça, si on le raffine au maximum, donc les attaques chargées qui vont être infligées sur les points faibles des ennemis, donc la tête, vont infliger 200% de dégâts critiques. Donc ça, ça va être extrêmement fort. En plus de vos dégâts, vous allez infliger 200% en plus. Et ça va être tout simplement toutes les 10 secondes. Donc cet arc-là, 3 étoiles, je le trouve très bien. Après, ce qui est assez dommage sur les arcs 3 étoiles, comme d'habitude, ça va être l'attaque de base qui va être très basse, 448. Là où un arc 4 étoiles va avoir plutôt 100 de plus. Donc là, c'est assez cool comme arc. Après, c'est du low cost comme d'habitude, mais ça peut faire le taf. On va avoir après l'arc qu'on va pouvoir acheter dans le shop, qui est très bien. Pourquoi? Parce qu'il va nous donner du dégâts critique, comme vous le voyez, jusqu'à hauteur de 36,8%. Alors, on va pas regarder le dernier niveau de raffinage. Pourquoi? Parce que c'est tout simplement pas fou de regarder ça, dans le sens où beaucoup louent en un exemplaire. Faut plutôt aller sur l'essentiel. Donc, après avoir down un ennemi, donc après l'avoir tué, on augmente l'attaque de 12% pour 30 secondes et on peut l'avoir 3 fois maximum, donc 36%. Sachant que Ganyu a énormément de dégâts de zone d'AOE, on va pouvoir avec l'ultimate ou même avec les tirs chargés qui touchent plusieurs ennemis, proc assez facilement ce passif là. Et c'est assez cool, donc du crit dégâts, du boost d'attaque pourcent sur le passif. Cet arc rentre clairement dans le cadre des arcs qui sont boosts sur Ganyu et en plus de ça il est gratuit en achetant au shop, donc très bon arc. On va avoir l'arc du Battle Pass, très intéressant. Je vous recommande souvent les armes du Battle Pass là, un peu moins. Pourquoi? Parce qu'on va avoir tout simplement 27,6% de taux de critique. Et le taux de critique, comme je vous le disais tout à l'heure, on va être rapidement
Capé sur Ganyu, donc à éviter la plupart du temps, sauf si vous choisissez un stuff qui va être autre que la panneau cryo, qui va vous donner quand même énormément, à hauteur de 20% lorsque l'ennemi est affecté par l'état cryo et 40% lorsqu'il est gelé. Donc c'est juste trop simple d'être d'avoir beaucoup de taux de crit sur Ganyu, et je ne vous recommande pas ce genre d'arc. Après, il a un passif qui est assez intéressant pour les supports, ça va être un mini Vanchi, donc quand vous allez faire un tir chargé, il va venir infliger une petite arme qui va attirer les adversaires dans un petit rayon et qui va infliger des dégâts, donc assez cool à ce niveau-là. On va passer sur l'arc gratuit, donc le prototype qui va donner de l'attaque pourcent à hauteur de 41,3% au level 90, donc ça c'est plutôt cool, ça va permettre d'infliger plus de dégâts, que ça soit sur les coups de base ou sur les coups chargés, même si clairement Ganyu ne se joue pas sur les coups chargés, sur les coups de base, et plutôt sur les coups chargés. On va avoir par contre un passif qui va être assez intéressant, donc les attaques chargées sur les points faibles des adversaires vont augmenter de 10%, donc la movement speed, c'est assez cool pour les archers, pour fuir, pour avoir une petite distance, pour pouvoir remettre un tir chargé, parce qu'il y a un petit temps de chargement quand même qui peut nous faire prendre des dégâts par l'adversaire vu qu'on est proche, et ça va augmenter l'attaque de 36% pour 10 secondes, donc très bon passif. En plus de ça, on peut la raffiner, voilà, vous pouvez aller jusqu'à 72% d'attaque et 10% de movement speed bonus. Donc si vous avez des prototypes à user, ça peut être une très bonne arme. On va passer maintenant aux armes 5 étoiles, qui vont être clairement des armes qu'on va regarder avec le premier, enfin sans raffinement, avec le premier niveau de base. Donc on a premièrement celui-ci qui va nous donner tout simplement du pourcent de taux de crit. Donc comme je vous le disais, on est capé assez facilement sur Ganyu, c'est assez compliqué là-dessus. Mais du coup, il va nous donner 22%. On va avoir passif donc, qui va augmenter les dégâts critiques de 20%. Et lorsque vous tapez, vous avez 60% de chance d'infliger des dégâts de zone. Donc ils vont infliger 125% des dégâts physiques par rapport à votre attaque, tout simplement. Donc ça peut se faire toutes les 4 secondes. Plutôt cool comme arc, de toute façon tous les arcs 5 étoiles sont excellents sur n'importe quel perso pour le coup. Après je suis pas spécialement fan dans le sens où ça va être des dégâts physiques. Ça va beaucoup dépendre de l'attaque pourcent vu qu'on est plutôt cryo sur Ganyu. Et que le crit rate du coup sur le perso, comme je vous le disais, n'est pas incroyable. Après ça reste qu'un arc 5 étoiles, si vous l'avez clairement mettez-le. Parce que l'attaque de base va être à hauteur de 674%. Et ça c'est juste énorme si on compare avec l'arc que je vous ai présenté juste avant, le gratuit, on va avoir pas moins de 510, ce qui va quand même faire un gap de puissance incroyable, parce que l'attaque de base que confèrent les armes va être l'attaque la plus importante sur un personnage. Donc on va terminer par son arc en fait, hein, l'arc 5 étoiles qui va arriver, qui est clairement fait pour elle, qui va donner de l'attaque pourcent, donc à hauteur de 49,6. Ce qui est assez cool, 608 d'attaque de base. Donc vous voyez que par contre, au niveau de l'attaque de base, on est quand même un cran en dessous de l'autre de tout à l'heure qui donnait 70 de plus. On va avoir un passif qui va être quand même assez ouf. On a donc un passif qui est très intéressant. On va avoir un boost sur les attaques normales chargées de 12%. Et en plus de ça, à chaque fois que vous en effectuez une, on va avoir un boost de 8% sur celle-ci qu'on peut stack 5 fois, donc qui va aller jusqu'à 40% d'attaque. Et ça, c'est vraiment très fort. Ça peut se passer toutes les 0,1 secondes, donc en spammant l'arc, vous allez monter assez vite, et ça c'est assez énervé. Donc on va faire le point maintenant sur le build, on se retrouve sur le jeu pour regarder tout ça, et après je vous ferai ma conclusion sur le personnage. Donc ce qui va être très intéressant dans un premier temps, ça va être le set cryo, que vous ne voyez pas ici, mais vous inquiétez pas, j'ai le bonus en tête, donc c'est 20% de taux de crit lorsque vous appliquez l'état cryo, ce qui va être extrêmement fort sur Ganyu. Pourquoi? Parce que vous allez l'infliger avec les compétences chargées de base, donc les tirs chargés, et en plus de ça avec l'ultimate, ou encore avec la compétence, donc c'est totalement bénef. En plus de ça, lorsque l'ennemi est gelé, on va monter à 40% taux de critique, sachant que le perso monte très vite en taux de crit, ça va être très intéressant, sachant qu'il a en plus de ça des dégâts de zone, de monter le taux de critique. Donc pour un main DPS, donc pour vraiment, si vous aimez bien jouer les archers en main DPS, le set cryo me paraît tout à fait viable et logique. Pour ce qui est de tout ce qui est support, donc je sais que beaucoup vont la jouer support DPS. Moi, je vous conseillerais plutôt de la jouer support utilitaire, entre guillemets. La différence, c'est que pour moi, elle n'est, enfin, elle n'a pas un gap assez important au niveau des dégâts pour être un très bon support DPS. Je pense qu'il y a beaucoup plus de personnages qui vont être meilleurs qu'elle dans leur rôle. Ceci étant dit, au niveau de ça, on va avoir du coup le set noble en entier. Pourquoi? Parce qu'il va augmenter de 20% les dégâts de l'ultimate, ça c'est très bien. Et en plus de ça, lorsqu'on va déclencher l'ultimate,
on va avoir un boost de 20% sur toute l'équipe. Et ça, c'est extrêmement bon. On peut aussi faire un mix des deux. Donc, moitié Nob qui va faire 20% de dégâts supplémentaires sur l'ultimate. Et Cryo qui va permettre d'avoir un taux de crit augmenté à 20% lorsque l'ennemi il va avoir l'état Cryo d'appliquer. Et vraiment, la combinaison de ces deux panoplies-là va être plutôt super cool. D'habitude, je vous aiguille beaucoup sur le set gladiateur à moitié, donc deux pièces gladiateurs, deux pièces nobles, etc. Pour Ganyu, clairement pas. Je pense pas que ça soit un set qui soit très intéressant dessus. Je vous conseillerais vraiment de soit prendre un ancien rituel royal entier si vous voulez support, ou soit deux pièces ancien rituel royal, deux pièces cryo. Si vous voulez la main DPS, je vous conseille full cryo, pour les raisons que j'ai évoquées avant. Et puis voilà pour ce qui est du but du perso. Je pense que c'est ce qui est pas mal dessus. Je vous ai déjà présenté les armes. Ma conclusion sur Ganyu, c'est qu'elle va être excellente en tant que support utilitaire. Pourquoi? Parce que lorsqu'on va avoir un perso hydro dans notre team, ça va décupler sa puissance. On va pouvoir geler les persos extrêmement souvent, sachant qu'elle a énormément d'AOE de zone qui vont infliger l'état cryo. Et en plus de ça, on va infliger beaucoup de dégâts critiques, vu qu'elle augmente facilement son taux de crit. Avec son passif, qu'elle a des dégâts critiques de base qui sont assez hauts, elle va pouvoir vraiment faire le travail à ce niveau-là. Pourtant, j'émets une petite réserve sur le fait que ça soit un bon DPS support. Dans le sens où, comme je l'ai dit, il y a des persos comme Albedo qui vont juste avoir à poser la fleur, changer de DPS principal et sans être sur le terrain, juste en changeant une fraction de seconde, infliger d'énormes dégâts. Donc, Ganyu, son tir chargé va prendre un peu de temps. Son ultimate, il va taper de manière assez aléatoire sur le terrain. Donc, c'est pas... On peut pas prendre en fait l'ultimate en compte pour vraiment de gros dégâts parce que les stalactites qui vont tomber du ciel ne vont pas forcément taper l'ennemi vu que c'est dans une zone restreinte de manière totalement aléatoire. Sauf si l'ennemi est un boss, là ça va faire beaucoup de dégâts et je pense clairement que ça va être une tueuse de boss à ce niveau-là. Parce que plus l'ennemi est gros, plus il va se prendre de stalactites. Et comme je vous l'ai dit, le contrôle va juste être phénoménal si vous avez un autre perso hydro par exemple. On peut faire le combo Mona plus Ganyu, Mona qui va venir mettre un leurre hydro et de la même façon Ganyu qui va mettre son leurre qui va être cryo. On va attirer les adversaires, les immobiliser avec le gel qui est quand même une capacité la plus puissante du jeu. Et on va pouvoir faire tous nos combos derrière, augmenter le taux de crit de Ganyu et faire vraiment beaucoup de dégâts. Donc voilà pour ce perso. Je le trouve très bon pour le coup, mais c'est vrai que, comme je vous l'ai dit, je pense qu'il a plutôt sa place en termes d'utilitaire ou de DPS principal. Et je suis curieux de savoir si vous allez invoquer ou non pour le perso. Donc n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. On se retrouve sur Twitch juste après cette vidéo. D'ailleurs, bon, ce soir c'est soirée émission, ça sera pas du Genshin. Mais à partir de lundi, on est de retour 19h30 au jeudi, tous les jours pour du Genshin. Je vous rappelle, dès que le portail sort mardi, on sera là aussi pour faire les invocations. Donc venez nombreux, tout est dans la description. Le petit like et l'abonnement si vous avez apprécié la vidéo, ça ferait extrêmement plaisir. Je vous dis à la prochaine, je vous souhaite beaucoup de luck pour vos invocations. Une très bonne soirée ou journée. Ciao, ciao, à la prochaine.